Bonjour à tous, dans ce tutoriel, nous allons voir comment consulter son plan de formation sur SOFIA. Pour cela, vous avez besoin de vous rendre sur l'intranet. Et sur l'intranet, eh bien, il suffit de vous y rendre avec vos identifiants et votre mot de passe. Ensuite, vous cliquez ici sur e-prof via Arena. Vous choisissez ensuite formation et ressources. Et là, vous allez cliquer sur SOFIA FMO, premier degré, Charente-Maritime. Vous êtes identifié ici, vous avez la possibilité de vous déconnecter. Vous cliquez sur mon espace stagiaire, convocation comme stagiaire. Si vous étiez inscrite à des formations individuelles, vous pouvez aussi cliquer sur mon plan de formation individuelle. Et vous avez, par exemple, sur le calendrier, eh bien, l'ensemble des formations pour lesquelles vous êtes convoqué. Vous pouvez l'afficher par mois, semaine ou sous forme de liste. Si jamais vous ne pouvez vous rendre, par exemple, ici à une formation, vous pouvez afficher votre absence. Voyez. Et puis, vous pouvez dire que vous êtes absent pour telle et telle raison. Vous avez plusieurs motifs à votre disposition, soit parce que vous êtes en congé maladie, soit parce que vous avez une obligation de service. Donc si on résume, vous trouverez, il faut passer par l'intranet, ensuite par e-prof Arena, et ensuite vous cliquez sur votre espace formation et mon espace stagiaire. Vous avez ensuite l'ensemble du calendrier de vos formations que vous pouvez noter. C'est important de les noter parce que suite à la reprise des formations, avec la fin du Covid, beaucoup de dates ont été changées et parfois il est bon de consulter ce calendrier pour pouvoir prévoir ces rendez-vous médicaux si jamais vous en aviez. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto.